Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'enseignement supérieur. J'ai dirigé plusieurs grandes écoles en France, en Asie et puis en Afrique. Une expérience assez intéressante en termes de comparaison des pratiques de l'éducation et de l'enseignement supérieur, en particulier à l'international, principalement dans les business schools ou dans les groupes qui regroupent évidemment plusieurs écoles, design, ingénierie, management, etc. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai fondé Ivan City, la grande école de l'intelligence artificielle et de la data. C'est une école qui est basée à Paris, qui est dédiée aux métiers et aux pratiques de l'IA et de la data avec une perspective très hybride, parce que notre conviction profonde, celle qu'on partage sans doute, est celle de dire que l'IA n'est pas qu'une question de technologie et de code, l'IA n'est pas qu'une question d'algorithme, et les vrais enjeux de l'IA, c'est son ancrage sociétal, c'est son lien avec les questions de société et les questions d'ordre humain. Donc, on a voulu rompre avec les logiques traditionnelles où les formations sur l'IA et la data sont en fin de cursus d'école d'ingénieur ou d'école d'informatique, où la question éthique, la question des humanités ne se pose que d'une façon marginale, et de pouvoir construire un programme hybride qui intègre 25% de ses contenus sont autour des enjeux éthiques de l'IA. Évidemment, quand on parle des questions, c'est une école qui est devenue une école un peu référence aujourd'hui en Europe dans le domaine, avec voilà, des formations dédiées au métier de l'IA, mais aussi aux pratiques de l'IA, parce qu'en France, on a un enjeu très très important qui est celui de l'acculturation à l'IA pour les managers. La France est très en retard par rapport à l'Allemagne ou aux pays nordiques en termes d'acculturation à l'IA pour ses managers et dirigeants. Et on sait qu'il y a un enjeu de déploiement qui est assez considérable, surtout avec l'ambition affichée par la France aujourd'hui de devenir un des leaders de l'IA embarqué responsable. Avec effectivement beaucoup de moyens assez importants qui font que la région Île-de-France devient un des leaders européens en termes d'attractivité de start-up. Donc il y a des enjeux de formation et d'acculturation qu'il y a derrière. L'acceptabilité de l'IA en France est très faible par rapport au Québec, par exemple, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on a peur, parce qu'on ne comprend pas tous les enjeux qu'il y a derrière, parce qu'on ne comprend pas les implications, parce que c'est une technologie qui est difficile à comprendre et évidemment les gens ont tendance à ne pas effectivement faire confiance, hein, comme toute innovation nouvelle. Et si on l'ancre pas davantage dans la société, évidemment, on ne fera pas à ce que cette acceptabilité s'améliore et cette vague, immense vague de l'IA qui arrive, qu'elle soit demain, voilà, confrontée à une réalité du terrain ou en tout cas à une résistance qui ne fait pas qu'elle sera réellement au profit de la société. Donc, il y a tous ces enjeux éthiques et en particulier dans le domaine de l'éducation. C'est vrai qu'on se pose aujourd'hui beaucoup la question sur comment ça va toucher le secteur de l'éducation. L'IA est partout, évidemment. Je pense que vous avez sans doute parlé, je ne vais pas parler beaucoup de ça, plutôt parler des enjeux éthiques comme c'était prévu dans la présentation. Mais on sait qu'il y aura 2 catégories d'établissements d'ici quelques années. Juste pour dire, être dans le concret, il y a quelques semaines, j'ai participé à un jury dans lequel on évaluait tous les projets IA qui sont en train d'arriver en France, les meilleurs projets. On avait 3 catégories, start-up, moyenne entreprise et grande entreprise. On avait évalué une soixantaine de projets de solutions IA qui arrivaient sur le marché pour essayer de choisir les plus innovantes et les plus impactantes. Et même moi qui suis dans le domaine, j'étais très, très surpris par l'immensité de la vague qui arrive. C'est impressionnant quand on voit les solutions IA qui sont en train d'arriver sur le marché. C'est-à-dire, c'est toutes des solutions qui sont en phase prototypage final, qui sont en train d'arriver dans tous les secteurs d'activité. Et c'est vrai qu'on est en train de parler aujourd'hui d'une transformation qu'on cite et qu'on n'a pas forcément touché du doigt, qui est celle de l'IA no code ou low code. Et c'est vrai, il y a énormément de solutions aujourd'hui qui vont arriver, qui vont faire qu'il y aura une démocratisation de l'usage de l'IA et que ce sera facile à implémenter dans les entreprises parce qu'on n'aura pas besoin de la coder, on n'aura pas besoin d'avoir vraiment une expertise technologique très forte parce qu'elle viendra se greffer à des pratiques existantes, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui d'Internet. On ne code plus en HTML, mais ça avance hyper vite. Et là, on se pose la question, on se dit, il y a énormément de solutions qui arrivent aussi pour le secteur de l'éducation, donc des choses que vous connaissez déjà et sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir, sur l'adaptive learning, sur la capacité d'utiliser les données pour personnaliser, individualiser la formation, sur pouvoir effectivement passer de cet enjeu que je considère comme étant le plus important dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, c'est passer de la massification à la personnalisation, c'est mettre 100 personnes dans le même amphithéâtre et leur donner 100 contenus différents, parce qu'ils sont tous différents les uns des autres. Et nous, qu'est-ce qu'on continue à faire? On continue à leur donner tous le même contenu pendant la même durée d'études, complètement absurde, alors qu'ils ont des rythmes d'apprentissage différents, qu'ils ont des capacités différentes, qu'ils ont des aptitudes différentes, des envies aussi d'évoluer vers tel ou tel secteur d'une façon différente, des capacités d'apprentissage qui ne se basent pas sur les mêmes réflexes.
Donc, il faut qu'on arrive à personnaliser. Et avec l'augmentation du nombre de jeunes dans nos écoles, on est en incapacité de passer à une individualisation poussée en utilisant ou en mettant en place des ressources professorales qui sont de plus en plus centrées d'ailleurs sur la production de connaissances plutôt que sur la transmission. Et donc, il faut effectivement s'appuyer sur l'IA. Et c'est là où il y aura une différence quand la vague arrive, pour revenir à mon point de départ, entre les institutions qui se sont préparées et qui ont déjà constitué et organisé leurs données, et ceux qui ne le sont pas. Et là, quand les solutions vont arriver et qu'on va pouvoir les déployer pour ces sujets de personnalisation, d'adaptive learning, etc., ils vont se chercher, ils disent, mais on n'a pas les données, on ne s'est pas organisé, ils vont être en retard 4-5 années, et ça va être trop tard pour eux. On sait que l'enjeu de l'IA, c'est la donnée, et on n'est pas encore prêt dans le secteur de l'éducation, malheureusement, sur la gouvernance et le management des données. C'est vraiment le premier point essentiel et derrière lesquels il y a des enjeux éthiques considérables, parce qu'on est, comme le secteur de la santé, dans des secteurs et dans des domaines où la donnée est sensible. La donnée de nos diplômés, de nos étudiants, de nos candidats, qui sont principalement des données personnelles, qui sont des données parfois pour des étudiants mineurs, qui n'ont même pas la possibilité. Donc on a quand même une question de gouvernance des données qui n'a pas été gérée encore dans nos établissements. Moi, je le vois, je suis en incapacité, ça fait 20 ans que je suis dans des écoles, je dirige, etc. À chaque fois que je pose la question, quel est le nombre d'étudiants que j'ai dans mon institution, je vous assure, j'ai jamais eu une réponse qui ressemble à l'autre. C'est-à-dire entre ce que dit le département marketing, ce que dit, etc. Donc, on a énormément, effectivement, de données et qui sont difficiles à gérer et qu'on n'arrive pas, effectivement, à organiser. Donc, il y a une question de data management avant, qui n'est pas encore à l'œuvre dans l'éducation et l'enseignement supérieur, et même dans des institutions assez réputées, qu'il va falloir dès maintenant prendre en main pour pouvoir dire comment ces données-là doivent être organisées, qu'est-ce qui est de l'ordre du sensible, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment on peut les anonymiser, comment on peut les protéger, parce que les enjeux éthiques de l'IA, c'est aussi sur des questions relatives à la qualité des données, hein, mais aussi effectivement à la protection de ces données-là. Quand on voit le nombre de cyberattaques aujourd'hui et l'évolution, en tout cas, des enjeux de sécurité dans les systèmes d'information, il faut évidemment aussi penser à ça. Et si on n'a pas fait ça, demain, quand les solutions IA seront là et on les voit arriver d'une façon assez incroyable, notamment en termes d'accompagnement dans la construction de son parcours professionnel et de l'acquisition des compétences qui répondent à une évolution des métiers, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans des parcours figés. Et quand on voit l'évolution rapide des métiers et la demande des compétences des entreprises qui évoluent aussi à une vitesse incroyable, pareil, hein, le volume de savoir produit chaque année dans le monde, on prévoit 7 fois plus de savoir produit dans le monde dans les 5 prochaines années. C'est juste considérable. Donc, si on n'est pas sur des processus d'acquisition, d'apprentissage qui sont pas figés dans le temps, qui s'adaptent et qui évoluent en fonction du parcours de chaque étudiant, on passera à côté de notre mission. On n'est plus fournisseur de contenu, on est architecte de compétences. Notre métier, c'est plus de donner des savoirs, notre métier, c'est de construire des parcours d'apprentissage. C'est ça notre métier, construire des parcours d'apprentissage. On a les savoirs, elles sont disponibles de plus en plus d'ailleurs et un peu partout. Donc construire ces parcours d'apprentissage d'une manière qui ne soit pas figée, qui soit adaptative, qui prend en considération l'individu, qui prend en considération les enjeux qu'on a derrière l'utilisation de données, nécessite effectivement une très bonne préparation pour l'utilisation de l'IA et donc une gouvernance et une gestion des données. Une fois qu'on a parlé de données, déjà, il y a effectivement des enjeux d'ordre éthique qui sont des enjeux considérables. Quand on parle d'IA, on sait que malheureusement, malgré la volonté du législateur, en particulier en Europe, je suis désolé, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, au Canada, mais je pense que globalement, c'est la même réflexion qu'on a au Québec et en Europe aujourd'hui par rapport à la protection de l'humain, par rapport aux enjeux que représente l'IA. Une IA qui est capable de préserver, de mesurer tout au long de son cycle de vie les droits humains fondamentaux. Globalement, c'est de ça dont on parle, hein. C'est les droits à la dignité, l'intégrité mentale, physique, la liberté, l'autonomie, l'équité de traitement, l'intimité, la vie privée, etc., etc. Donc tout ça, c'est des droits qui sont importants, qui sont normalement protégés par la loi. Il y a des législations assez différentes que vous connaissez sans doute, des réglementations européennes et françaises ici, comme le RGPD, qui régit la protection des données personnelles en France. Et puis une IA, pour qu'elle se déclare éthique, évidemment, elle doit respecter la législation, mais ça suffit pas. Il y a aussi le AI Act qui est en train de se mettre en place en Europe et qui est une révolution considérable en matière juridique et qui va demain mettre des garde-fous pour l'utilisation et le déploiement des solutions IA. Et ça suffit pas parce que la technologie IA avance à une vitesse telle que la législation ne pourra jamais suivre si on ne met pas d'autres garde-fous qui sont plutôt d'ordre éthique.
Et l'éthique, ça ne s'enseigne pas, ça se nourrit. Et l'éthique, il faut effectivement nourrir ceux qui vont concevoir ces solutions IA de demain, ceux qui vont les utiliser, parce que la faute ne retombe pas toujours uniquement sur celui qui utilise. On a tendance à dire, mais non, moi je l'ai conçu avec une très bonne intention, le nucléaire, pour avoir un impact positif sur l'environnement et une énergie qui est plus propre. Mais c'est celui qui l'a utilisé pour tuer des centaines de milliers de personnes qui est problématique. Mais non, celui qui conçoit, je suis désolé, il a aussi une responsabilité. Et donc on ne peut pas tout rejeter sur l'utilisation malveillante de la technologie et de l'IA, mais il faut que le concepteur soit aussi nourri de ces questions très importantes pour qu'il prenne en considération des questions de biais, de robustesse d'algorithmes, d'explicabilité, etc. Des questions dont on va parler tout à l'heure pour essayer de voir quels sont les enjeux dans le secteur de l'éducation. Donc, ces principes éthiques qui doivent être encore plus confortés pour pouvoir aller plus loin que la législation qui, effectivement, de toute façon, ne pourra pas suivre l'évolution incroyable à laquelle on est en train d'assister dans le domaine de la data science, de l'IA, du machine learning, etc. Il y a aussi toutes les contradictions entre les objectifs de performance et les principes éthiques. Il faut prendre en considération aussi. On va avoir tendance à proposer plus de contenu dans l'éducation, à pouvoir vendre, mettre en valeur, à pouvoir. Et donc tout ça, c'est des objectifs de performance et de compétitivité qui doivent aussi être mis en parallèle par rapport au potentiel que pourrait offrir l'IA demain et avoir effectivement une démarche qui soit prudente et qui évite toute dérive volontaire ou involontaire d'ailleurs. Parce que c'est au bout du compte, l'homme reste le seul responsable des systèmes qu'il crée, et on est aussi responsable des systèmes qu'on va déployer et créer. Donc de quoi on parle globalement? On parle d'un certain nombre de principes qui sont aujourd'hui autour desquels il y a plein de réflexions. UNESCO, au niveau de l'Union européenne, au niveau d'un certain nombre d'instances qui se sont constituées un peu partout dans le monde et qui régissent, qui sont considérés comme étant des principes importants autour desquels on doit construire tout projet IA et on doit le construire éthique by design. C'est très, très important de prendre cet aspect en compte parce que là aussi, on a tendance à penser les solutions technologiques. Et puis, tout à la fin, on se dit, ah bah oui, mais c'est quoi l'enjeu éthique? C'est trop tard, généralement. La technologie, elle est tellement déterminante, elle est tellement puissante dans sa mise en œuvre que si on pense les enjeux éthiques une fois que la technologie est conçue, c'est trop tard, c'est toujours trop tard. Ou il faut revenir en arrière dès le début et c'est généralement très coûteux et c'est pas possible. Donc il faut avoir une démarche qui intègre les enjeux éthiques dès le début et surtout, encore une fois, dans l'enseignement supérieur, dans une approche beaucoup plus hybride et beaucoup plus consciencieuse, en tout cas par rapport à ces questions d'humanité qui sont fondamentales. Alors, les thèmes, venir au cœur du sujet, c'est dire d'abord qu'il y a un principe de loyauté dans la relation avec l'être humain. C'est-à-dire, l'IA, globalement, doit être loyale, elle doit communiquer sa finalité, elle doit communiquer son fonctionnement, ses limites. On ne cherche pas à tromper l'utilisateur, ça c'est très important quand on déploie des systèmes IA dans les systèmes d'éducation, d'enseignement supérieur, c'est qu'on sache derrière, est-ce que ça a été fait sur mesure, est-ce que c'est fait par une IA, est-ce que c'est fait par mon professeur, est-ce que... Donc, il y a un aspect qui doit permettre à l'utilisateur de comprendre sans aucune ambiguïté qu'il interagit avec une machine, si c'est le cas. On a plusieurs applications aujourd'hui, par exemple, de linguistique, notamment sur les langues, c'est très développé, la partie IA pour essayer d'adapter la complexité, les contenus. Il y a aussi dans les mathématiques, on connaît l'expérience, et vous connaissez sans doute tous l'expérience de l'Arizona State University sur les mathématiques, avec un taux d'échec qui était incroyable et qu'ils ont réussi à ajuster grâce à l'intégration d'un système IA qui adapte la complexité des exercices et des contenus. Donc tout ça, il faut qu'on soit très transparent, il faut que cette IA soit en tout cas loyale, que son champ d'intervention, de même que ses limites, ses capacités, en termes de possibilités, parce qu'elle n'est pas illimitée cette capacité-là, elles doivent être portées à la connaissance de celui qui va la mettre en œuvre et de celui qui va l'utiliser. Donc, on doit savoir si une IA est impliquée dans un résultat de calcul de résultats, par exemple, pour un apprenant, surtout quand il est aussi décisif qu'il s'agit effectivement d'une évaluation qui est intégrée dans la décision finale de son admission ou de son évolution. Si effectivement, elle pourrait orienter où est-ce qu'il est celui qui va prendre la décision. Donc, globalement, le système doit faire ce qu'on attend de lui, ni plus ni moins. Il ne doit pas aller plus loin que ce qu'on lui demande et qu'effectivement, on sache exactement quelles sont les limites. Ça, c'est vraiment important comme principe aujourd'hui éthique qu'il faut qu'on considère dans nos applications au risque de se retrouver avec une confusion entre l'IA et l'être humain. Et ça, c'est un des dangers importants aujourd'hui de l'IA et des risques. Un risque de tromperie aussi, parfois même d'atteinte à la dignité, parce que l'IA pourrait
avec l'entraînement automatique qui peut se faire. On a vu plein d'exemples dans les premières IA qui sont mises en place dans notre domaine et ailleurs, sur effectivement, voilà, manque de robustesse de l'IA, elle a été orientée injustement et d'une façon injustifiée, et elle porte atteinte à la dignité parce qu'elle ne respecte pas les principes fondamentaux. Ça peut être aussi effectivement toute la connaissance ou la méconnaissance d'ailleurs de nos publics du fonctionnement et des capacités, des limites de l'IA qui pourraient être susceptibles de générer de la défiance. Et ça, on perd complètement le sens de notre domaine éducatif, parce qu'on est, s'il y a de la défiance, il n'y aura aucun apprentissage. L'apprentissage se passe sur une relation de confiance. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'apprentissage. On crée une barrière avec l'apprenant qui est difficile à franchir et n'aide pas à avancer. Donc, c'est important à ce qu'on puisse créer cette relation de confiance en étant très transparent, loyal, enfin, cette IA-là, loyale dans sa relation avec l'être humain. Un deuxième principe dont on parle quand on s'agit des enjeux éthiques et sociétaux de l'IA et dans le domaine de l'éducation en particulier, c'est le fait que l'IA doit être équitable. L'IA doit se prémunir des risques de discrimination et de traitement inéquitable. Évidemment, c'est les problèmes de biais. Il faut que l'IA même favorise l'inclusion. C'est-à-dire non seulement elle doit éviter les discriminations, mais elle doit même favoriser l'inclusion. Et on sait que l'IA ne fonctionne qu'avec les données du passé. Donc si les données sont déjà biaisées, parce qu'il y a des questions de discrimination liées à la catégorie sociale, liées à l'appartenance à telle ou telle région, liées à l'appartenance à telle ou telle ethnie, etc., etc. Et surtout que ces données-là, on les a, nous, généralement, hein, l'origine de l'étudiant, d'où il vient, catégorie sociale. On a beaucoup de données qui sont relatives, sont personnelles et qui peuvent être utilisées d'une façon justifiée par l'IA, parce que l'IA, évidemment, c'est des algorithmes et c'est un apprentissage. Et si on n'est pas vigilant par rapport à ces questions de biais, on fera comme je sais pas, les algorithmes de recrutement d'Amazon quand ils étaient mis sur le marché. Si on est une femme noire, on n'a aucune chance d'être recrutée parce que les données sont biaisées et que l'IA ne fait que reproduire ces données-là, voire même d'augmenter l'impact. Parce que quand l'être humain se trompe, l'impact est réduit. Quand une IA se trompe et qu'elle est partout dans nos systèmes, bien sûr, l'impact, il est immense. Donc, il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ces questions de biais et qu'on puisse bien nettoyer les données, bien comprendre comment l'IA fonctionne de manière impartiale. Il doit en particulier viser à ne pas renforcer ou créer la discrimination du fait de biais qui sont introduits lors de l'entraînement de l'algorithme. Et elle doit aussi se conformer, bien sûr, aux normes d'acceptabilité les plus courantes, favoriser la diversité, l'inclusion, en particulier la question d'handicap, qui est une question importante dans nos écoles. Il ne faut pas qu'il y ait, par erreur, hein, encore une fois, et par entraînement mécanique qui est lié à des données biaisées, effectivement, une discrimination vis-à-vis de personnes handicapées qui, finalement, ne vont pas avoir la capacité de suivre le système de la même façon parce qu'ils ont des déficits, tel ou tel, voilà, aspect de déficit et que, finalement, l'IA, par son automatisation, par sa massification, par un traitement de données qui est parfois aveugle et qui ne prend pas en compte ce principe éthique, peut effectivement ne pas refléter la diversité de la population utilisatrice ou concernée. Et c'est ça qui est important aussi pour nous, c'est ces questions d'équité, de diversité, d'inclusion dans l'éducation en particulier. Donc, les systèmes d'IA par apprentissage machine, sinon, elles peuvent s'entraîner à partir d'un jeu de données qui est fourni par le concepteur. Et si ces jeux de données, finalement, sont biaisés, le risque d'aboutir à un résultat faux ou discriminatoire, et notamment dans les systèmes d'évaluation qui sont liés à toute la partie adaptive learning, peuvent être aussi biaisés. Voilà. Alors, bien sûr, après, pour conclure, je dis, voilà, il y a aussi des questions de transparence, d'explicabilité, bien sûr, qui sont très importantes, d'auditabilité du système, hein, qui sont aussi extrêmement importantes. Il y a le respect de la vie privée, bien évidemment, et la conformité à tout ce qui est usage de données personnelles, qui sont des questions importantes dans les systèmes qu'on mettra en place. La maîtrise de cette IA, qu'elle soit fiable, qu'elle soit sous contrôle humain, qu'elle puisse fonctionner, évidemment, avec rigueur dès sa conception et qu'elle soit sûre, il y a toutes les questions de sécurité bien protégées. Donc voilà, c'est les principes majeurs qui concernent toutes les applications IA qu'on doit mettre en place et qu'il faut qu'elles soient pensées dès le début. Et c'est indispensable qu'elles soient pensées par les équipes qui managent aujourd'hui nos institutions d'enseignement supérieur avec la participation des professeurs, avec l'intégration de ces principes dès le début. Je leur dis, regardez ce que l'IA apporte pour le domaine de la santé, par exemple. L'IA est capable de détecter un cancer 10 ans plus tôt qu'un être humain. Regardez tout ce qu'est le nombre de vies qu'on a sauvées par ça. Regardez ce que fait l'IA pour le handicap. Donc, on a un thème de recherche sur l'IA au service du handicap au travail. C'est extraordinaire pour essayer d'aider les personnes en situation de handicap à mieux gérer leur situation dans le monde professionnel. Regardez ce que l'IA peut faire pour l'agriculture, pour un certain nombre de questions de société et qui sont extrêmement importantes. Donc, la technologie, moi, je suis contre l'approche déterministe. La technologie ne détermine pas les conséquences.
c'est effectivement les usages qu'on en fait et la conception et la façon avec laquelle on l'a conçu. Donc, il faut, tant qu'on continue dans nos domaines d'éducation, d'enseignement supérieur, à séparer les disciplines et à penser que la technologie doit rester dans chez les ingénieurs et les humanités, dans les sciences sociales, on n'aura pas réussi cette transformation-là. Donc, il y a toute une transformation à notre niveau pour avoir plus d'hybridation, plus d'intégration, la présence des humanités avec une approche qui n'est pas uniquement donner des contenus. C'est pas en faisant des cours d'éthique ou d'humanité qu'on rend les gens responsables. Ça se saurait. Donc, il faut faire autrement et inventer une autre pédagogie pour rendre les gens plus responsables et qui pensent à ces questions d'une façon quasi réflexe. Hein. Et puis derrière, c'est comme ça qu'on fera évoluer la technologie dans le bon sens. Il faut qu'on soit, évidemment, elle sera là, l'IA. Donc, on n'a pas le choix. Et elle sera, et la vague est immense, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, soit on la subit et on regarde et puis on se dit là, on a peur et on essaie de se protéger, mais c'est impossible. Soit on prend les choses en main dans l'éducation, dans la conception et dans les entreprises, et puis chez l'utilisateur, en étant un garde-fou et puis un garant du respect de ses principes.